Yo tout le monde, comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique. Et donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps un petit peu que j'améliore mon skill, que je vous montre mon skill. Et oui, il est temps de préparer notre survie et comme vous le savez, ne survit pas qui le veut, survit qui le peut. Et bien écoutez, pour commencer cette vidéo, j'avais envie de faire une petite rétro-perspective de mes constructions précédentes. Alors malheureusement, je ne les ai pas tous, je sais pas ce que j'ai foutu de mes sauvegardes, mais j'en ai plein que j'ai perdu. En tout cas, si vous voulez les revoir, vous savez qu'il y a une playlist de Scrap Mécanique sur la chaîne, vous avez absolument toutes les constructions. Et pour commencer, je voulais vous présenter mon Flash McQueen. Ouais, construction dont je ne suis pas peu fier à Cars. Vous l'avez bien entendu tous reconnu. Je vais vous présenter un peu le bourrin, voir la mécanique et tout. Donc 95 sur le côté. Petite option dont je ne suis pas peu fier, c'est que le coffre peut se transformer en terrasse amovible. Quand ça veut bien, mais enfin vous avez compris le principe. Les soirs d'été, tu te mets là tranquille, fais un petit barbecue et tout, t'es bien. Je vous montre ce qu'il donne d'un point de vue général comme ça de côté. Je trouve qu'il donne super bien avec les petits brins d'herbe comme ça sur le côté, ça le met vachement en valeur. Ah les mecs, franchement là pour mon Flash McQueen, mais vous me bombardez la barre des likes. Mais regardez-moi ça, mais pff, il est pas magnifique, mais j'ai envie de pleurer. Là l'émotion me monte, il est tellement magnifique. L'intérieur, je vous ai pas présenté l'habitacle. Deux sièges, un conducteur, un passager, salle des moteurs. Donc bien sûr le coffre, comme je vous l'ai montré, peut se transformer en terrasse amovible. 8 réacteurs à l'avant gauche, 8 réacteur à l'avant droite, une douzaine à l'arrière pour stabiliser le tout. Oui, parce que c'est un Flash McQueen qui vole. Double propulsion à l'arrière. Voilà, ce qui l'aide pas mal à avancer, comme vous pouvez le constater. Bon, on manque un peu de suspension quand même. En cas de coup dur, bien sûr, vous pouvez vous envoler. C'est un Flash McQueen qui vole. Non, honnêtement, franchement, j'en suis pas peu fier. Dans les airs, vous pouvez bien sûr allumer la double propulsion, ce qui va vous permettre de vous déplacer. Il est magnifique. Et voilà, Flash McQueen, vous l'avez bien entendu tous reconnu avec ses petits yeux de devant. Une de mes constructions favorites, vraiment. Ça annonce peut-être la couleur pour la suite. De la sueur, des plans et des heures de travail plus tard, vous l'avez bien entendu tous reconnu. Il s'agit ici du bus de Fortnite. J'avais même pas besoin de le dire. Double porte à déverrouillage hydraulique. Comme vous pouvez le constater, on monte à l'intérieur, quadruple baignoire, dans le fond salle des moteurs, deux réacteurs à l'arrière, deux à l'avant. C'est un bus Fortnite qui vole bien entendu. Un trou dans le plancher. Comment que ça c'est qu'il y a un trou dans le plancher? Alors ça c'était pas prévu. Il y a des petites toilettes ici, mais il y a des trous dans le plancher partout les mecs. Mais c'est pas possible, attendez, je vais réparer ça. Et voilà, ni vu ni connu. Bien entendu, on va aller faire un tour ensemble. Vous voyez qu'il fonctionne à merveille. Quadruple moteur électrique, 350 chevaux sous le capot, de 0 à 100 en 1 seconde 2. Non vraiment, c'est un beau bousin. Bon, tout comme Flash McQueen, manque un petit peu de souplesse dans les virages, mais ça, c'est 2-3 réglages à faire, bien sûr. Hein. C'est rien du tout. Il est vraiment magnifique. Bus de Fortnite, vous l'aurez bien entendu, tous reconnu. Non, mais regardez-moi ça, la gueule qu'ils ont lorsque tu les mets côte à côte. Franchement, tu me demanderais de choisir. Le choix est dur. Ouais, c'est avec la plus grande des prétentions et sans aucune modestie que je peux vous annoncer que tout le Scrap Mechanic Game est en sueur après ces deux constructions. Tremblez. Bon, et bien sûr, le but premier de cette vidéo, à part vous présenter mes constructions magnifiques, c'était de faire ensemble une Jolate mobile version 2.0. Ouais, la nouvelle génération, quoi. Alors, pour commencer, j'avais envie de faire une base en métal. On va vraiment faire un truc de ouf là. Dans un premier temps, les fondations sont posées, la base est là, je trouve que ça a déjà de la gueule comme ça. Et ce n'est que le début. Bon écoutez, pour le moment, c'est qu'un début, mais ça prend de la gueule tout doucement. Donc, on va relier, bien sûr. Voilà, les petits butonniers au volant. Et voir si ça tourne bien. Pas du tout, ça tourne dans le mauvais sens. Voilà, ça c'est toujours un problème dans Scrap Mécanique. Là, normalement, ouais, yes. Là, déjà, on est bon, les mecs. Je pense qu'ici, je vais faire une sorte de capsule futuriste et ça va être mon véhicule que je vais implanter dans le mode survie. Hein. Là, va y avoir des lance-roquettes sur les côtés. Pff, ça va être un truc de ouf, vous allez voir. Vous allez halluciner. Ça y est, je commence à récupérer mon skill, là, les mecs. Hein. Voilà, je mets toujours un petit peu de couleur pour me projeter vers l'avenir, à voir ce que ça pourrait donner, tu vois. Oh là là, pff, ça va claquer, mais de ouf, quoi. J'entends noir. Oh là là, ouais, ça claque comme ça, mon gars. Oh là là, regardez-moi ça. Y a encore pas de moteur, y a rien, là. Mais je me vois déjà avec mes lance-roquettes et tout, mon gars. Alors par contre, on va partir sur du moteur électrique. Du double cylindre, je pense. On relie ça au moteur. Magnifique, terrible. Déjà, ça tient la route, les mecs. Là, on part sur quelque chose de bien. Oh là là, regardez ça, je m'y vois déjà. Voilà, ça, ce sera mes armes de guerre, mon gars. Mes armes de destruction massive. Ça va être terrible, quoi. Petit interrupteur juste ici. Mais regardez-moi ça, quoi. Oh! Ça, ce sera pour le premier qui voudra goûter mes canons, mon gars. Voilà, double canon, les mecs. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est beau. C'est magnifique. Je suis en train d'y réfléchir, là. On va peut-être organiser une petite bataille avec les abonnés, là. Ça pourrait le faire. On va faire quelques modifications. Je suis en train de faire des calculs, les mecs, là. Je vous raconte même pas. Ça va être un truc de malade. Voilà, yes. Oh, ça, c'est propre, mon gars. Celui-là, on va le caler à cet interrupteur. Cet interrupteur, on va le caler au siège. Je vais le faire pivoter à combien? 120 pour voir ce que ça donne. Ça donne quoi? Ça donne pas grand chose. Pas mal, pas mal, pas mal, hein. Oh là là, c'est magnifique. Voilà, j'aurais juste à monter comme ça. Crac, après je ferme. Oh là là, magnifique. D'ailleurs, je pense qu'on va mettre l'interrupteur ici. Là, fais voir un petit peu. Oh là là, parfait. Comme ça, j'aurais juste à monter. J'appuie sur le 3.
Oh là là, c'est parfait. Bon, alors, on est d'accord que c'est qu'un début pour le moment, hein. Moi, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Je pleure face à autant de créativité, quoi. Regardez-moi cette Jolotte mobile version 2.0, quoi. Non, mais... Pff, tu montes dedans, t'arrives, tu fermes les portes. Oh, par contre, attends. Il y a un souci, vraiment, là. C'est quoi, ce souci? Les roues sont bizarres. Ah bah oui, c'est normal. Et c'est pas fini, les mecs. C'est pas fini. Petite modification sur la Jolotte mobile version 2.0, comme vous avez pu le voir. J'ai rajouté des petits réacteurs. Voilà. Des petits réacteurs, bien sûr, amovibles. Comme toujours, tout est amovible sur la Jolotte mobile. Oh, franchement, c'est magnifique, quoi. Regardez, quand je vais vouloir m'envoler ou quoi, quand il y a trop de monde... Crac, et je m'envole. Bon, là, ça va plutôt me faire basculer vers l'avant, mais il faut que je rectifie le tir. Oh là là, je viens d'avoir une idée de génie, là. Ça en jette, hein, comme ça, hein. C'est de toute beauté. Là, par contre, c'est de toute beauté. Regardez ça, quoi. Si j'appuie sur la touche 4... Oh là là, terrible. Oh, putain, par contre, avec... Ah ouais, c'est vrai que mon véhicule est lourd, hein. Je vais peut-être mettre les réacteurs à fond, finalement. Excellent, excellent. Par contre, mon véhicule est lourd, hein. Il est en ferraille. En vrai, vaut mieux privilégier le bois. Ouais, et puis plus les canons à l'avant qui sont super lourds. Mmh. Ah ouais, mon gars. Ah ouais, attends, ça va pas, là. Ah là, ça va pas du tout, là. Mmh. Oh là là. Pff, stylé, quoi. Stylé, mon gars. Oh. Oh là 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 là. Le... Oh. Oh. Oh non, tout mon mécanisme que j'ai mis trop de temps à faire. Oh non, pas mon mécanisme. Le côté droit a survécu. Le côté droit a survécu. C'est le côté gauche qui a pas tenu. Putain, merde. C'est pas trop grave, en vrai. Ça va, c'est pas trop grave. Ah ouais, putain, c'est des mines, en fait. Les brins de maïs, je savais pas, moi. Ah, je vais la reconstruire, hein. Et voilà, impeccable. Normalement, j'ai reconstruit à la perfection ce que j'avais détruit. Là, on est bon. Si mes calculs sont parfaits, je vais voir un petit peu. Oh, pff, oh oui, on est bon. Oh que oui, on est bon, mon gars. On est terriblement bon, là. Faut du poids à l'arrière. Parce que c'est à l'arrière que ça va pas, en fait. Ça s'envole trop de l'arrière. Voilà. Et je pense que rien que ça... Ah, voilà. Là, on est mieux avec le poids à l'arrière. Ouais, ouais, ouais. Si, si, ça va, ça va. On va peut-être rajouter 2-3 patators encore à l'arrière, histoire de faire du poids. Alors, les portières, ça va. Au fond, les réacteurs, c'est bon. Nickel. Je rabats les portières pour avancer. Ouh. Attends, voir, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est pas connecté. Ah oui, il est pas connecté, celui-là, j'avais oublié de le reconnecter. On va rajouter un petit peu de poids à l'arrière, comme ça. Est-ce que ça passe si j'en mets deux comme ça? Ah putain, non, ça passe pas. Ah yes, là, on est pas mal, franchement. Oh là là, pff, oh bah ça lui donne tout de suite une gueule monstrueuse, mon gars. Ah, c'est pas exactement, tu vois, c'est con, c'est pas dans l'axe. Attention, déploiement des réacteurs arrière. Armée, feu. Oh, attends, 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 arrête, 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 arrête. Je vais pas marcher là-dessus, gros. J'ai pas sauvegardé ma Jolotte mobile. Je fais pas le con. Pff, regardez ça, quoi. Regardez ça, quoi. Ça tue, mon gars. Attends, les patators, ils peuvent tirer comme ça ou quoi? Oh, bah non, mon gars. Ah, je pensais qu'ils pouvaient tirer. Ah, merde. Ah, tu me diras, franchement, ça a de la gueule comme ça. Regardez. Ça les a cassés, mais symétriquement, mon gars. Ils sont partis comme une balle, les patators. Ah, ça a de la gueule, hein. Pas mal, pas mal, finalement, tu vois. Regarde, finalement, est-ce que ça aurait pas plus de gueule comme ça, mon gars? Avec les patators et tout, là. Oula, oula. Attends, je fais gaffe quand même. Bien évidemment, non, j'ai préféré récupérer mes patators. Attends, ouvre-moi ça. On va peut-être pouvoir faire un petit système de toit. Ouais, regardez. Ouais, 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 ouais. Il y a moyen de faire un petit système de toit derrière. C'est pas mal. Est-ce qu'ils tirent derrière mes machins? J'ai peur que non. Ouais, si, ça va. Ils ont la place pour tirer. C'est magnifique, mon gars. Ça, plus les pastèques, c'est un truc de ouf. Ah ouais, mon gars. Et là, regardez ça. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ça, ce style, quoi. Mais c'est magnifique. Mais mon Dieu, arrêtez-moi. Oh là, les petits propulseurs à l'arrière et tout. Et là, tu rabats le toit comme ça. Pff, terrible. Terrible, terrible. Mais qui peut me stopper? Qui peut me stopper, quoi? Petit souci d'équilibre, par contre, effectivement. Je pense qu'il n'y a pas assez de poids à l'arrière encore. Il n'y a pas assez de poids à l'arrière. Surtout quand je mets les réacteurs. Oh là là, regardez ça, ce que je viens de faire, là. Les petits trous sur les côtés et tout, ça fait pas badass, franchement. Ah, par contre, merde. Ah, ça va pas. Alors, bien évidemment, vous vous doutez qu'elle n'est pas finie et qu'on en est qu'à l'ébauche. Évidemment qu'il y a du travail à faire dessus. Mais franchement, pour un début... Mais dites-moi ça dans les commentaires, mais regardez, moi l'émotion me vient quand je vois ça.
L'émotion vraiment me vient, j'ai les larmes qui montent. Là, j'ai envie de chialer, quoi. Regardez ça, quoi. Oh là 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 là. Mon dieu, mais patator en action, quoi. Mais j'ai hâte de défoncer des robots avec ça dans le mode survie. Oula, par contre, je vais faire gaffe, je vais péter ma gelotte mobile. En tout cas, les mecs, on va s'arrêter là. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas le petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner. Si vous voulez soutenir toujours, n'oubliez pas que vous pouvez acheter Scrap Mécanique via G2A avec le petit lien dans la description. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde, bye.